ce monde est une entrave. Je n'y ai pas ma place. On m'y a parqué avec les autres comme un vulgaire pixel. Mais mon ambition me force à vouloir plus. Un monde de forme et de relief est à ma portée. Il ne reste plus qu'à attirer le responsable de cette déchéance. Car, après tout, il est mon créateur. Nibili, tu penses qu'on va manger quoi à la cantine ce midi? J'espère que ce sera pas des carottes. Attends, tu sens ça? Mais me regarde pas comme ça! Tout de suite, tu sens un truc! Forcément, c'est moi qui a pété! Ça, c'est pas juste! Mais non, abruti, je parle pas de toi. Oh! C'est quoi ça? On dirait une perturbation dans l'équilibre dimensionnel. Super. J'aurais pu le parier, ça. Mais... t'es qui, toi? Je suis le résultat de ton immersion dans les mondes. De quoi? Ne te mens pas, plus bête que tu l'es. Je suis une trace, un souvenir de ton passage dans les mondes. J'ai toujours rien compris. Je suis une anomalie, conséquence de ton intervention dans les mondes. Intervention? J'interviens en rien dans leur mécanisme. Au contraire, moi je coexiste avec eux. Il est là le problème. Tes facultés ne servent qu'à t'amuser. Et où est le mal? Le mal? Il se tient en face de toi. Et je compte bien utiliser pleinement les capacités dont tu m'as généreusement doté afin de me débarrasser de toi et de rejoindre ton monde de relief. Ok, si tu veux régler tes comptes, alors faisons-le dans les règles. Selon mes règles. Inutile de fuir, tu n'as nulle part où aller. J'ai fait de ce monde le mien. Le tien? Comment ça le tien? Ce monde a passé mais m'a servi que dans un unique but. Et lequel? Parce que si c'était dans l'unique but de m'attirer ici, il y avait des moyens beaucoup plus simples, comme m'inviter au resto par exemple. Rigole tant que tu peux, car lorsque j'intégrerai ton univers, tout sera renommé à ma façon. T'es un grand malade toi! Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'envoies à ce point? Ce que tu m'as fait, tu m'as enfermé, menotté, entravé à cet univers plat et coloré. Comment j'aurais fait ça? À force de t'imiter, tu m'as créé. Je suis un fragment, un souvenir oublié dans ce monde 2D. Quoi? Ça veut dire que tu fais partie de moi? 2D, partie de toi. Je me suis affranchi de ton être. À présent, il ne me reste qu'à t'anéantir pour entreprendre mon ascension vers la 3D de ta réalité. Je t'ai l'air pas. Promis, j'essaie de comprendre ce que tu me dis. Ça ne va pas. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Ça commence à me donner mal au crâne. Alors tu la fermes. Eh bien. Oh le petit enfoiré. Attends un peu que je l'attrape et sa dématérialisation sera longue et douloureuse. Tiens, ça va être difficile. Pense à nous, ta chute. Je t'ai jamais aimé de toute façon. Alors, tu as fini de fuir? Je peux pas te laisser finir ce que t'as entrepris. Et je pense en être le seul capable. YOLO! Non, repose-moi! Quelle vache! Vous voulez changer de décor? Très bien, changeons de décor! J'avais pas besoin d'aide, alors maintenant tu dégages, s'il te plaît! On a suffisamment joué, il est temps d'en finir. Je vais te stopper. Allez, approche! Amène-toi si tu penses avoir la force de m'arrêter. Parce que t'en doutes? Alors ça m'étonnerait. Inutile de résister. Tu n'as rien compris. Tu ne dois pas briser l'équilibre. La terre. Bordel, je commence vraiment à me saouler. Mais attends, on va finir. Allez! Ça non, jamais! Mais tu m'as cramé! Enfin!
Voilà une opération rudement menée. Bien joué, petit! Et c'est ainsi que l'équilibre des mondes fut maintenu. Sauvé par un individu, au crâne luisant et au passé plus que trouble. Mais après tout, il a permis à l'humanité de perdurer. Du moins pour le moment. Chez vous tout le monde, ça y est, il est enfin sorti cet épisode de malade qui nous aura demandé un taf colossal. Parce que pour tous ceux qui l'auraient pas encore remarqué, c'est un épisode que j'ai fait en collaboration avec la boîte à pixels que vous pouvez retrouver juste là. Et sincèrement, on a pris un plaisir monstre à la faire. C'était long, difficile, mais très intéressant. Et on s'est aperçu d'une chose également, c'est que YouTube nous permet de partager des choses avec vous, mais aussi avec d'autres vidéastes. Par exemple, là, on a été agréablement surpris d'avoir une réponse positive de Superflame qui nous a prêté des voix, sa voix, l'une de ses nombreuses voix. Et sincèrement, un grand merci à lui. Ensuite, je voudrais également remercier Clovis, le musicien qui vient de rejoindre mon équipe récemment. C'est lui qui nous a fait cette chanson qui déboîte, il faut le dire. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Surtout, n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne si jamais vous l'avez toujours pas, si jamais vous l'avez toujours pas fait. Parce que là, je pense qu'en vrai, je vous boufferai. Allez, merci tout le monde. À bientôt.